Planifier ses rêves. Planifier ses études. Planifier sa réussite. Planifier son bonheur. Planifier d'investir. Planifier d'être présent. Planifier ce que l'on laissera au suivant. Group Investors, laissez-nous vous aider à planifier pour prendre soin de vos proches, maintenant et pour longtemps. Le plan du Group Investors. Les grands explorateurs vous invitent à vivre une saison. Les grands explorateurs vous emmènent au bout du monde. L'évidente aventure humaine. Dans les plus grands films d'exploration. L'aventure vous attend. Au cœur du monde avec les grands explorateurs, 40 ans d'histoire et de voyage. Au fil des ans, nos explorateurs ont sillonné la planète pour capter le vrai, l'inédit. De leur champ de passion, ces êtres farouchement libres ont concocté un mélange envoûtant d'images et de sons qu'ils servent à leur public en quête d'émotion. L'espace d'une soirée, sur scène, ces habiles présentateurs racontent avec amour et sincérité leur émerveillement devant des paysages grandioses, des cultures millénaires, une vie mystérieuse, le sourire d'un enfant. 40 ans et toujours un nouveau départ avec les grands explorateurs. Cette année, en hors-série classique, Népal Mostang, 40 ans de voyage de père en fils. Dans les années 70, Emmanuel Braquet sillonnait déjà les régions reculées du Népal pour en rapporter un document inédit. Tout n'était que découverte et émerveillement. Mais dans les montagnes, le Mostang restait à l'époque une terre inaccessible. Emmanuel avait entre les mains une œuvre inachevée. Aujourd'hui accompagné de son fils Sébastien, c'est rempli de fierté qu'il retourne en ce royaume hors du temps, récemment devenu une république. Ce dernier va poursuivre et vivre le rêve de son père. Le transsibérien de Moscou à Vladivostok. Éternel voyageur et grand conteur, Christian Durand prend le train du bout du monde et vit l'expérience mythique de cette ligne de chemin de fer qui parcourt d'ouest en est un tiers de notre globe. À travers cette aventure transsibérienne en Eurasie, véritable fresque au paysage époustouflant, cet homme d'image tisse au fil des kilomètres et des rencontres un film d'une grande sensibilité où, tranquillement, le temps se dissout. Galapagos, les îles enchantées. Aventurier dans l'âme, Maxime Jean part à la découverte du monde et s'arrête cette fois aux Galapagos. Archipel du Pacifique, issu du fond de l'océan, cette terre aride à caractère unique voit la vie s'installer et prendre les formes les plus étranges. Pirates, baleiniers puis pêcheurs y feront escale. Depuis, l'homme cohabite dans une communion parfaite avec cette faune endémique. Une leçon de vie pour tous ceux qui passeront par cette terre d'aventure, devenue riche au milieu de nulle part. Costa Rica, grandeur nature. Fasciné par les beautés de l'Amérique centrale, Richard-Olivier Janson plonge dans ce joyau de la nature, le Costa Rica. Pont entre les Amériques, ce petit territoire abrite une partie surprenante de la biodiversité mondiale. Plus du tiers du pays est maintenant protégé sous forme de parcs nationaux afin de préserver ce précieux héritage. Considéré comme la Suisse de l'Amérique latine, on y retrouve une qualité de vie exceptionnelle et un art de vivre unique. La pura vida, en harmonie avec la nature. La légendaire route 66. 4000 km de Chicago à Santa Monica. Bien arsonné sur la selle de sa Harley-Davidson, Marc Poirel concrétise un rêve de jeunesse et chevauche l'Amérique au cœur de son histoire. À la recherche de ces lieux que l'on idéalise, il emprunte les tronçons oubliés de cette route de légende où les haltes routières telles Bagdad Café attisent les souvenirs. Voilà un véritable road trip mythique, symbole de liberté. Norvège, terre d'émotion. Avec un regard plein de poésie sur la Norvège, Gérard Bagès, d'un œil aguerri, s'enivre de l'arôme émotionnel des générations qui ont foulé l'espace sauvage du littoral scandinave. Lapons et vikings ont défié les lumières boréales et l'obscurité de la nuit polaire pour s'y installer. Avec un relief alpin, entrecoupé de fjords comme toile de fond, des images à couper le souffle confèrent à ce film un spectacle d'une esthétique épurée. Un voyage d'une beauté absolue.
Irlande, ombre et lumière. Nul n'a besoin d'aller bien loin pour être émerveillé, de dire Luc Giard. Mettant de l'avant tout ce qui fait battre le cœur des Irlandais, l'homme et son amour du pays passent bien avant les tensions séculaires entre Celtes et Germains. C'est une Irlande douce et verte, séduisante et festive, qui s'exprime dans un ensemble de tableaux vivants. Un pays en plein essor, jeune et dynamique, une île d'ombre et de lumière. Hors-série découverte Japon, sur la route des festivités. Complices dans le monde, Ugo Monticone, écrivain, et Julie Corbeil, cinéaste, unissent leurs talents et nous dévoilent la richesse d'une terre de tradition aux mille visages. Entre coutume et modernité, le Japon trouve son rythme. Son goût pour les festivités nous transporte à tout moment de Matsuri en Matsuri, de festival en festival, dans un périple d'aventure raconté avec toute la fraîcheur de deux jeunes conférenciers aux charmes irrésistibles. L'aventure ne fait que commencer. Alors abonnez-vous sans tarder et célébrez avec nous ce 40e anniversaire. Une programmation de première vous en mettra plein la vue. Vous bénéficierez d'une foule d'avantages, votre siège sera réservé. De plus, en vous abonnant tôt, vous participez automatiquement à notre grand concours et courez la chance de gagner un voyage pour deux au Costa Rica. Raconté par des communicateurs hors pair, c'est un grand livre d'histoire que vous ouvre, Les Grands Explorateurs. Visitez notre site au www.lesgrandsexplorateurs.com.